Messieurs, bonjour. Bonjour. Les deux systèmes clientélistes qui sont connus à Marseille, le Conseil général des Bouches-du-Rhône avec Guérini et la mairie de Marseille avec Jean-Claude Gaudin, se sont unis pour empêcher qu'il y ait un changement dans cette ville, qu'on en finisse avec ces réseaux, ces obscurités et toute cette pourriture qu'on voit dans cette ville. Nous avons été accusés les uns et les autres, parce que nous étions dans le même parti que M. Guérini, d'être des bébés Guérini. Aujourd'hui, Jean-Claude Gaudin, c'est un pépé Guérini. M. Guérini, la morale, ce n'est pas son problème. Mais M. Gaudin, qui nous expliquait tout un tas de choses sur le comportement que l'on doit avoir, a fait une faute morale en même temps qu'une faute politique. Je pense que beaucoup d'électeurs, y compris des électeurs de droite, qui ne veulent pas de ce type d'accord, vont venir voter pour nous. J'ai fait l'objet de déclarations d'un certain nombre de personnes liées au banditisme qui ont appelé à me barrer la route. Et il y a d'ailleurs, je vous l'indique, un procès en cours avec le dénommé Fratani. Donc nous savons tous exactement que le banditisme est en mouvement dans cette ville. Le banditisme, aujourd'hui, est du côté de la liste de Jean-Claude Gaudin. Dans la quadrangulaire, puisque là, les primaires socialistes, on savait...